Sunderlight Production. Pour Boris, le sport n'était pas seulement une passion, c'était un véritable mode de vie. Toute sa vie, il l'a construit autour de son goût pour le dépassement de soi, jusqu'à ce qu'un drame vienne tout bouleverser. Un soir d'été, les médecins lui annoncent qu'il ne pourra probablement plus jamais courir. Mais refusant d'accepter cette réalité, Boris commence à chercher des solutions, jusqu'à là, jamais encore envisagées. Ce récit n'est pas seulement l'histoire de la résilience face à l'adversité. C'est aussi celle d'une transformation profonde qui illustre comment chaque fin peut être le commencement de quelque chose de nouveau, où chaque petit pas en avant est un triomphe. On est vendredi 9 août 2019, il fait super beau, on est en plein cœur de l'été et je me dirige vers ma box de CrossFit. Je pratique depuis 5 ans le CrossFit à ce moment-là et c'est toujours un moment que j'affectionne et que j'attends parce que retrouver les potes, s'entraîner, le dépassement de soi, enfin bon bref, tout ce qu'on aime dans le sport, je le retrouve, c'est ma pause déjeuner. Le vendredi, c'est une séance spéciale, on s'entraîne à plusieurs, on fait des petites équipes et on se challenge un peu, donc c'est assez sympa. Mais ça met bien dans le rouge, donc grosse séance de CrossFit, on fait ce qu'on appelle un WOD, un Workout of Day, qui se fait en équipe. Et donc du coup, bah, on veut évidemment se dépasser et puis essayer d'arriver un peu devant, quoi. Donc grosse séance. À 13h30, la séance se termine et donc du coup, ben, je suis bien content. Je retourne au boulot avec un sentiment de plénitude parce que bah, belle séance et j'aime ça. J'aime m'entraîner entre midi et deux. C'est un moment particulier pour moi. C'est ma bulle d'air, donc je suis toujours très content. Donc je retourne au boulot plutôt content et en me disant bon, je pars en vacances ce soir, donc c'est cool quoi. L'après-midi de travail se passe tant bien que mal parce que en fait, j'ai pas mal donné dans ma séance de CrossFit et donc du coup, j'ai un peu de mal, mais j'ai pas mal de boulot parce que justement le soir, je ferme le bureau et puis je vais partir en vacances. Le 9 août, c'est la veille de mon anniversaire, donc le lendemain c'est mon anniversaire et puis ça fait pas mal de temps que je bosse beaucoup et que je promets à ma fille qu'on va se voir un peu plus, je promets à ma femme qu'on va se voir un peu plus, qu'on va profiter pendant ces vacances. Pour l'anecdote, il y avait un truc assez drôle, c'est que je fais un peu de surf et ma fille prenait ma planche de surf et elle s'entraînait à faire un take-off, hein, se lever sur la planche de surf dans le garage. Et je lui disais, t'inquiète pas, on va vivre ça ensemble, je t'apprendrai à surfer et on va passer des très très belles vacances. À 18h, je ferme la clé de mon bureau. Je suis très content d'avoir bouclé cette belle journée où je me suis bien donné. J'ai les endorphines qui sont au max. Je sais que je pars en vacances. J'ai bouclé tout mon boulot, donc je suis très content. Il fait très chaud, il fait beau. Mais malgré tout, je m'équipe pour monter sur ma moto parce que je fais toujours très attention d'être équipé. J'ai 30 km à faire, évidemment je connais bien ce parcours parce que je le fais tous les jours, donc je pars, je roule et puis comme il fait chaud je suis content de rouler parce qu'il fait un peu d'air frais, j'ai un peu de voie rapide à faire donc ça me permet d'accélérer et puis de prendre un peu cet air frais qui me fait du bien et puis je pense un peu à me dire ça y est je vais pouvoir relaxer, c'est les vacances, je vais pouvoir poser la moto. Et ma femme et ma fille m'attendent avec la voiture chargée avec la planche de surf. Donc je roule et j'arrive à peu près 2 km de chez moi, donc vraiment pas loin. Il y a un camion qui roule pas très vite, qui est assez large. Je suis derrière le camion, c'est une ligne droite, une départementale. Je jette un petit coup d'œil, je vois qu'il n'y a personne, je mets mon clignotant, je double. Malheureusement, un peu plus loin, il y a un monsieur qui est en 4x4. Qui voit ce camion arriver lentement et qui se dit qu'il va s'engager pour prendre la route, mais en direction inverse du camion. Donc moi je suis en train de doubler, il me voit pas, je ne le vois pas. Et d'un seul coup je me retrouve avec un 4x4 en face de moi, en pleine accélération. Et comme je double, je suis aussi en accélération.
et je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Je sais que le choc va être très violent. J'essaye de serrer le plus que possible le camion pour voir s'il y a une possibilité de passer entre le camion et le 4x4, mais ça n'arrive pas. Je percute très violemment l'aile avant. Et j'ai une seconde de perte de connaissance. Et je me retrouve en fait projeté et je pars dans tous les sens. Comme je disais, j'ai fait ma séance de CrossFit le midi et je sais qu'il faut absolument que je me gaine. Il faut absolument que j'arrive à me regrouper, à me gainer. Donc j'ai un réflexe, c'est de me dire il faut absolument que j'attrape mon casque et que je mette mes mains devant pour me protéger en fait. Et pour arrondir mon dos, j'ai une dorsale, je suis équipé, j'ai une dorsale, et je mise tout sur ma dorsale en me disant, pourvu que mon dos heurte pas quelque chose, ou soit protégé en tout cas. Et je réussis à attraper mon casque, à me mettre un peu en boule, et je suis projeté comme ça. Et en fait, je suis projeté sur plus de 60 mètres. Ma moto, elle est projetée à 75 mètres. Donc pour ceux qui font de l'athlé, vous savez la distance que ça peut représenter. Après 60 mètres de voltige, je percute le sol et puis je finis en glissade. Ce qui est dingue, c'est que j'avais l'impression d'être sur une patinoire alors que clairement je suis sur du goudron et ça glisse pas. Et là en fait je me dis je suis en vie, je suis encore là, mais je sais que le choc est beaucoup trop violent et donc forcément j'ai quelque chose de grave. Et je commence à me dire je vais bouger un tout petit peu la tête. Évidemment, quand on est motard, on sait qu'il faut pas trop la bouger, mais juste histoire de voir que ça bouge. J'essaye de bouger ma colonne, je vois que ça bouge, je suis plutôt content, je regarde mes doigts et ça bouge, je vois mes gants qui sont arrachés et je suis brûlé, mais tout ça bouge. Et puis je veux regarder un peu mes jambes et au moment où je veux regarder mon pied droit, je m'aperçois que j'ai plus de pied gauche. Ça a été sectionné dans le choc, très certainement. J'apprendrai plus tard qu'en fait ils ont retrouvé mon pied effectivement et ma botte de moto, mais qui m'a pas suivi. Et donc je suis au sol et j'ai une montée d'adrénaline incroyable. Je me dis même pas que je vais avoir mal. La première chose que j'ai, c'est de la colère. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je suis à 2 km de chez moi. Quelle injustice. Je suis sportif, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Puis j'ai vraiment des mots de colère. Je gueule, c'est insupportable en fait. Je sais très bien qu'on me recollera pas le pied. C'est fini, c'est foutu. Je sais pas comment je vais me relever de ça. Et très rapidement, en fait, il y a un gars qui vient et qui glisse ses mains sous mon casque. C'est pour ceux qui font un peu de secourisme, ça s'appelle un soutien-tête. Et donc je comprends que le gars est secouriste. Et il me dit, je suis pompier, je rentre chez moi et j'ai appelé mes collègues et on va les attendre ensemble. Et puis je lui dis je suis amputé, il me dit oui je vois, et je lui dis je vais tomber dans les pommes, je te donne toutes les infos que t'as besoin, je suis secouriste moi-même, donc si j'ai des allergies, quand est-ce que j'ai mangé la dernière fois, mon poids, ma taille, mon groupe sanguin, je lui déroule tout de manière très froide, très mécanique, en me disant c'est peut-être ça qui va me sauver, et donc il faut que je sois très concentré sur ce que je vais lui raconter. Et je tombe pas dans les pommes. Et je reste lucide, j'attrape mon téléphone et j'entends mon téléphone sonner. Je sais que c'est ma femme qui m'attend et je sais qu'elle s'inquiète. Donc je demande, je pouvais pas parler évidemment, je demande à ce que quelqu'un puisse prendre l'appel et explique que j'ai eu un accident. Personne ne le fait. Les gens sont autour de moi, personne ne le fait. Et j'apprends après, plus tard, pourquoi. Le pompier et les pompiers refusent de passer ce genre d'appel parce qu'on peut décéder dans le camion. Et donc, c'est un appel qui est pas à passer, en fait. Ils veulent pas le passer parce que souvent, ils disent à quelqu'un, on a votre mari, on a votre fils, on a qui que ce soit. Et puis, 10 minutes plus tard, la personne décède. Et bon, forcément, c'est un appel qui a pas lieu. Donc voilà, donc du coup... Je pense à elle, je pense très fort à elle et je connais ma femme, je sais qu'elle va, elle va venir, elle va remonter le chemin, je la connais. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait, sauf que moi, je suis déjà parti, je suis déjà dans le camion de pompiers. Les pompiers ont un peu de mal à monter dans le camion parce que je me suis tellement gainé que j'ai le cou qui est
qui est complètement contracté, ils ont du mal à me mettre une minerve, ils ont du mal à me monter et le médecin tarde à venir, je suis toujours conscient, la douleur est ultra présente, je souffre énormément et j'ai vraiment du mal à faire face à la douleur, mais encore une fois, je tombe pas dans les pommes, je comprends pas pourquoi je tombe pas dans les pommes. Et voilà, et donc du coup j'essaye de faire face, j'ai horriblement chaud, heureusement des gens, je me suis retrouvé avec un foulard dans mes affaires, en fait c'est une dame qui a retiré un foulard, qui a pris un foulard et qui avait imbibé d'eau, il faut pas boire, parce qu'on risque d'être anesthésié, donc il faut rien dans le ventre, et en fait elle me mettait un peu d'eau sur le visage pour essayer de me rafraîchir un peu, parce que le goudron encore une fois était brûlant et voilà, beaucoup de choses qui se croisent, beaucoup de sentiments, beaucoup d'adrénaline, c'est à la fois très clair et à la fois très confus, voilà, c'est un moment assez terrible parce que je rentre dans un monde inconnu. Dans le camion de pompiers, en fait, évidemment, il me donne des antidouleurs, il me sédate, mais je sais pas, je dois avoir l'adrénaline qui est un peu trop haute, et du coup, j'ai des épisodes où je me réveille. Et puis, arrivé à l'hôpital, ben, je me réveille, je suis vraiment conscient, et il y a une infirmière qui me regarde et qui me dit « Mais vous êtes conscient ?» Et elle me dit « Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, et on va faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. » Ce que me dit l'infirmière, en fait, ça paraît rien, mais ça m'a énormément rassuré. J'ai pu relâcher et je me suis endormi à ce moment-là, en fait, vraiment. J'apprendrai plus tard, en fait, que ma femme arrive avec ma fille de 3 ans et on lui dit juste « Votre mari respire ». C'est tout ce qu'on lui répondra. Et elle aura une vraie réponse qu'à 2h30 du matin. Donc entre 19h et 2h30 du matin, elle a imaginé le pire, évidemment, même me perdre. Donc elle a dû rentrer à la maison avec ma fille, rassurer ma fille, donner à manger à ma fille, coucher ma fille, et puis attendre de recevoir cet appel de l'hôpital. Et en fait, quand l'hôpital appelle, ils lui disent « Bah écoutez, on a une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Et là, elle s'imagine que bah, je suis mort. Et ils lui disent « Votre mari est amputé ». Et en fait, elle est rassurée. Ça peut paraître dingue, mais elle est rassurée. Et elle demande « Mais sinon, donc j'avais évidemment une petite hémorragie, des petites choses, etc. Mais ça n'avait rien de vital, ça n'engageait pas ma vie. Donc j'étais là. Et je me réveille le lendemain matin dans la chambre d'hôpital. Et évidemment, mes premières pensées vont à Caro et Romy. Et je pense très fort à elle. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter pour les rassurer? Et j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Caro rentre dans la chambre d'hôpital et me dit, t'es là. Et ça, c'est des mots qui me résonneront toujours dans ma tête parce que elle avait résumé en très peu la situation. Ouais, j'avais perdu mon pied dans la bataille, mais j'étais là. J'étais vivant. Et finalement, c'était le plus important. Et puis, on a un échange, évidemment. Moi, je suis perfusé, on ne peut pas s'approcher de moi, évidemment. Mais on a un petit échange. Et finalement, ma fille finit par rentrer dans la chambre. Elle me dit « Papa, t'as perdu un pied, on va t'en trouver un autre et je vais te dessiner dessus. » À partir de là, je me suis dit « Ok, j'ai deux femmes formidables, je le savais. » Mais il va falloir que je fasse face et il va falloir que je redémarre ma vie de la plus belle manière parce qu'elle mérite mille fois que je sois là, que je sois présent, que je sois papa, que je sois un mari, etc. Je sais pas comment encore, mais je vais remonter. La question du sport, elle se pose tout de suite. Comment je vais pouvoir reprendre le sport, sachant que c'est dans mon ADN, c'est quelque chose qui fait partie de moi et dont j'ai absolument besoin. Ça fait partie de mon équilibre. Avec du recul, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir immédiatement pensé au sport,
Mais c'est quelque chose qui me rassure, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé, qui m'a toujours aidé. Et donc, j'essaye de penser à quelque chose qui va être positif, qui va me rassurer, même si j'ai beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup d'inconnus. Et puis, à l'hôpital, en fait, j'essaye de pas trop craquer devant mes proches. Mais la douleur, le choc émotionnel, etc., finit que je craque. Mais je craque en attendant qu'il n'y ait plus personne. Et un infirmier en fait me voit craquer. Il me dit c'est normal. Il me dit mais on va faire quelque chose. Et encore une fois, je suis sous perfusion, sous tout produit vraiment incroyable. Il arrive à me transporter, il me met dans un fauteuil, il arrive à me transporter, et c'est une unité intensive. Et cette unité, en fait, il n'y a pas de porte. Il y a des caméras dans les chambres pour pouvoir accéder très rapidement dans les chambres. Et on est tous en urgence, quoi. Et il commence à me balader un petit peu dans cette unité. Et il ne fait pas de commentaires, sauf de dire cliniquement qu'est-ce que les autres personnes ont dans les chambres. Et on fait le tour. Et il me ramène dans ma chambre. Et vraiment là, j'ai pris conscience que ok, il me manquait un pied, mais encore une fois, j'étais là. Je suis là, je suis vivant. Il doit y avoir des solutions. Et une des choses qui va me porter, c'est la rééducation, c'est le sport, c'est passer par quelque chose que je connais. Reprendre possession de mon corps, en fait. Possession de mon corps. Reprendre ce qui m'a toujours porté, et avec cette contrainte d'avoir un pied en moins. Alors la rééducation se passe pas mal. Je me souviendrai toujours que le 2 octobre 2019, j'ai marché pour la première fois. Donc ça, c'est une date qui restera marquée à vie. Je suis de nouveau debout. La rééducation se passe, sauf qu'on arrive très vite à mars 2020. Et mars 2020, c'est le Covid. Et donc, je suis renvoyé chez moi. Parce que je ne suis pas en urgence, je ne suis plus en urgence. Donc, je suis renvoyé chez moi avec un maximum d'inconnus. Il faut savoir que je me suis fait réopérer quelques jours avant. Et donc, je rentre chez moi avec des pansements, des sutures, un fauteuil roulant, des béquilles, une prothèse provisoire. Et tout s'arrête, en fait. Le monde s'arrête. Et je me retrouve tout seul, en fait, à la maison. Avec à faire mes soins, au tout début, les infirmières étaient débordées, donc elles venaient pas forcément me voir. J'ai dû réapprendre un peu les choses par moi-même, et on n'avait pas le droit de sortir. Sauf que moi, je savais que pour finir ma rééducation, il fallait que je sorte, il fallait que je marche, il fallait que je bouge. Et derrière chez moi, j'habite à la campagne, il y a une forêt, et donc le meilleur moyen que je trouvais, c'était de m'éclipser dans la forêt pour aller marcher. Et j'ai commencé par courir 50 mètres par kilomètre. Et quand je dis courir, c'est plus trottiner. Je me suis rappelé ma fille, comment elle avait appris à marcher, et je me suis dit, je vais réapprendre à marcher comme ma fille a appris à marcher, et je vais trottiner un petit peu. Je vais trottiner. Et en fait, je découvre le trail, en fait. Parce que dans la forêt, en fait, il y a du dénivelé, c'est une piste de VTT. Donc, c'est un peu technique. Et je prends ça comme un jeu. Et très rapidement, en fait, je me souviens de mon enfance. J'ai grandi à la campagne. Et ça a été une Madeleine de Proust. Les odeurs, retrouver ça. Sachant que ça faisait pas si longtemps qu'on habitait là. Et donc du coup, on avait pris le parti de venir habiter à la campagne, et je redécouvrais tout ça. Et ça a été dingue, parce que ça a été un sentiment de liberté, un sentiment, une force incroyable. Ça m'a donné une force incroyable. Et par moi-même, en fait, j'ai commencé à courir, et à courir en nature. C'est du trail. Et quand le Covid s'est arrêté, enfin, quand on a pu sortir de chez nous et retrouver mon prothésiste, je dis à mon prothésiste, écoute, je veux faire du trail. Il me dit, mais Boris, c'est pas possible avec une lame.
Et donc ça fait des mois que je fais ça, et puis on me dit c'est pas possible, encore un impossible qui doit devenir possible dans ma tête. Et je me mets au défi de pouvoir les courir, et puis même de pouvoir les courir en montagne, puisqu'on me dit que c'est pas possible. Je relève le défi et je me dis je vais aller courir en montagne. En fait, rien n'est fait pour courir en sentier ou pour courir dans le trail, parce que en fait, les lames de course sont prévues pour l'athlétisme. Au départ, elles ont été dessinées et faites pour l'athlétisme. Je pense que tout le monde a l'image d'Oscar Pistorius qui court le 400 mètres. Effectivement, c'est des lames qui coûtent très très cher et qui sont faites pour du tartan, pour aller tout droit. Rien n'est trop fait pour aller courir sur des sentiers techniques, et encore moins pour aller courir en montagne. La première grosse difficulté, c'est les prix. Les prix sont très chers. Ces lames de course coûtent une véritable fortune. Ça coûte une petite voiture, donc c'est absolument pas accessible. Et moi, à ce moment-là, je me demande comment je vais financer ça. Commence une bataille, en fait, de pouvoir m'équiper, de pouvoir accéder à ça. Et là, je me rends compte qu'il y a une injustice totale. C'est que c'est absolument pas accessible, et que beaucoup de gens, finalement, finissent par rester dans le canapé uniquement parce qu'il n'y a pas de matériel de sport adapté et parce que ça coûte trop cher. Là, je suis face à un mur, en fait. La technique ne me suit pas. Ces lames de course que j'essaye d'utiliser entre elles, en fait, les semelles s'arrachent. Ça risque de m'envoyer dans le décor, parce qu'en réalité, c'est encore très puissant et c'est fait pour aller tout droit, donc ça ne marche pas. Et finalement, en fait, on finit avec mon prothésiste par trouver des solutions en coupant des lames, en essayant de voir avec un cordonnier si on peut adapter une semelle de chaussure de trail. En gros, j'achète une chaussure de trail, je la découpe et puis je colle la semelle à cette lame. Enfin bon, bref, on cherche des solutions. C'est du bricolage, ce qu'on fait. Mais je sais que si je veux participer à des grandes courses de trail, ce sera pas possible. Je suis déjà amputé, si en plus j'ai pas un matériel adéquat, ça va pas le faire. Et un soir, sur les réseaux sociaux, un gars me contacte et me dit: tiens, il y a un projet vers chez toi qui est en train de naître, ils cherchent des gars pour tester une lame assez novatrice qui récupère du carbone de l'avion Airbus A350. Ils veulent trouver une solution pour que ce soit accessible en plus en prix. Donc là, je me dis, tiens, je vais les contacter, je les contacte, et coup de chance, la semaine d'après, il y a un test. Ils font un test, le premier test de leur lame sur un terrain d'athlée. Donc je m'inscris, et je suis le dernier inscrit d'ailleurs, et je vais sur cette journée de test. Et j'essaye la lame et je suis tout de suite convaincu. Mais on est sur une piste d'athlétisme, et encore une fois, moi je veux courir hors stade, je veux pas courir dans un stade, donc je leur dis mais je veux sortir. Et puis il y a un gars qui me dit: ah, mais attends, si tu sors du stade, je viens avec toi. Et on part courir tous les deux, et j'avais pas vraiment bien compris qui il était. À la fin du run, on revient et il me dit: t'aimes courir en dehors du stade? Je dis oui, moi je veux faire que ça de toute façon, et je cherche ça. Il me dit: je m'appelle Patrick Leck, je travaille à la R&D de chez Salomon, et c'est moi qui développe la semelle. Et là a démarré un projet incroyable où j'ai servi de bêta testeur et j'ai collaboré au développement de cette semelle avec Salomon, et ça a été le début d'une grande aventure. Donc dans le centre de rééducation, je parle tout le temps de sport, et puis je suis à fond avec mon kiné, avec ma kiné, tout le temps à parler de sport et comment je vais pouvoir faire. Et elle me dit: tiens, justement, il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui est passionné de sport, mais qui va pas très bien. Et si tu pouvais aller lui dire deux mots pour essayer de lui remonter le moral. Et là, je rencontre Emmanuel Vidal, qui est le fondateur d'Iron, et on accroche tout de suite autour de la passion du sport, et voilà, et on a une amitié qui se lie.
Et je vais essayer autant que possible de lui passer toutes mes astuces pour que lui aussi puisse se relever. Moi, j'étais un peu en fin de parcours de rééduc et lui était au début. Et voilà, et donc du coup, bah, commence une amitié. Et un jour, il me dit bah, « Boris, est-ce que tu veux pas devenir athlète Iron ?» Je dis mais ce serait un immense hommage et je serais vraiment très très honoré. Quand je dis un hommage, c'est un hommage à notre situation. Et c'est un vrai soulagement de pouvoir avoir ce soutien d'Iron parce que les équipements coûtent très cher déjà. Et donc si je peux avoir un peu d'aide, ben, ça va clairement pouvoir me permettre d'accéder un peu plus facilement au sport et au trail. Et aussi, c'est évidemment un soutien moral énorme. Et ça m'a convaincu qu'il fallait que j'aille dans ce domaine-là et que je me donne à 100%. Travailler avec les équipes Salomon, ça m'a fait énormément de bien. Je me passionne pour développer des solutions et pour développer cette semelle. Et puis, il faut la tester. Et en fait, on décide d'accrocher un premier dossard qui est l'EcoTrail. Donc c'est assez accessible. Mais pour un premier test, il fallait pas quelque chose de trop, trop technique. Personne ne savait si vraiment ça allait aller au bout. Sachant en plus que j'avais déjà bousillé pas mal de semelles. Donc il fallait pouvoir aller au bout d'un trail. Et donc mon premier dossard trail, ça a été l'EcoTrail, le 18 km. Et ça s'est super bien passé, ça a été incroyable. J'ai juste eu un passage sur des pavés humides qui a été un peu compliqué et j'ai pris l'épaule d'un mec et je lui ai dit bah viens on trace et voilà, donc je me suis servi d'un gars pour pouvoir descendre sur les pavés humides, mais ça a été une première victoire et cette ligne d'arrivée a représenté énormément parce que c'était possible, parce que je pouvais y arriver, parce que je pouvais le faire. Et là, on ouvrait quelque chose d'incroyable. Et pour moi, ça a été une immense, immense joie. J'ai pensé à tous ces mois à l'hôpital, en centre de rééducation, à tout ce que j'avais traversé. Et là, en fait, ça se concrétisait réellement. On était dans l'action, on était dans le sport, dans ce que j'aime. J'ai fini un peu dans le rouge. Je me souviens, assez essoufflé, mais quel bonheur, quel bonheur. Suite à cette course, en fait, j'ai des étoiles plein les yeux. J'ai qu'une envie, c'est retourner m'entraîner, retourner à développer cette semelle, à faire en sorte que tout soit aligné pour pouvoir envisager de faire une grande course en montagne. Et là, on voit que la lame, c'est possible en fait. Elle a des capacités, elle répond présente. Et on me conseille des petites courses en montagne, assez accessibles quand même. Mais c'est pas du tout l'idée que je me fais de la reprise. C'est pas du tout l'idée que je me fais. Moi, je rêve d'une grande course. Et une course très spéciale en plus, qui est Cerzinal. Donc c'est la course avec les 5 sommets à 4000 tout autour. Une course mythique, une des premières courses de trail au monde et une course qui est une course d'ailleurs souvent gagnée par Kylian Jornet que j'admire. Et donc je propose ça. Et chez Salomon, Greg Vollet appuie le truc et dit bah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire Cerzinal, c'est absolument la course que tu dois faire. On est donc en août 2021. Cette date est forcément très symbolique pour moi. On est 2 ans après mon amputation. J'ai une émotion très particulière. Et puis Salomon me met dans des conditions absolument incroyables. Je pars avec les élites, avec toutes les stars, Rémi Bonnet, Kylian Jornet, Mark Lanstein pour ceux qui le connaissent. Il y avait Kathleen Fider, il y avait Judith Weider, enfin bref. Maud Matisse, bref, que des stars, moi, des gens qui me font rêver, et je les ai là, à côté de moi, sur la ligne de départ, je suis là avec eux. C'est hors norme, c'est même moi qui imagine grand et qui rêve en grand, ça je l'aurais pas imaginé, je l'aurais pas rêvé. J'ai une émotion incroyable, j'ai plein de choses qui me traversent, mais je dois me concentrer,
je dois me concentrer pour cette course parce que c'est la première fois que je vais courir une distance aussi longue. C'est la première fois que cette lame va partir entre elle montagne dans une course. La semelle, voilà, c'était un prototype. Hein, je rappelle encore, on était encore dans le prototypage. La lame ni la semelle n'étaient sorties. Donc on était dans plein d'inconnus. Et nous voilà partis pour cette course. Alors évidemment, les élites partent à Mach 2. Je peux pas du tout les suivre. Hein, j'ai dû les suivre sur 100 mètres. Mais surtout que Cierzinal, ça monte tout de suite très fort. Et c'était Kylian Jornet qui m'avait dit, tu vas voir, c'est brutal le départ. Et ça a été très brutal, effectivement. Et donc, je prends un mur direct. Il faut savoir que dès le départ, en fait, sur 8 km, il y a quelque chose comme 1002 de dénivelé. Donc, j'aimais bien dire que je tendais le bras, je touchais le sol, tellement ça montait. Alors, j'exagère un peu, mais c'est vrai que ça grimpait fort, vraiment très fort. Et tout de suite, je me retrouve dans le rouge. Heureusement, il y a du monde de chez Salomon qui court avec moi et qui m'accompagne. Ça me fait du baume au cœur, ça me motive et j'ai vraiment envie de me transcender pour ça parce que ça représente à la fois pour moi mais aussi pour ce que ça va représenter. J'ai conscience que ça va incarner quelque chose et j'ai conscience que ça va inspirer et j'ai envie d'aller briser un petit peu tous les préjugés. Tous les murs que j'ai pu rencontrer, je voulais démontrer que c'était possible. La course se passe tant bien que mal, mais arrivé au 20e kilomètre, un énorme orage éclate et on prend une pluie absolument dingue. Il y a des éclairs de partout et c'est vraiment très compliqué, mais je suis déterminé, je ne me vois pas m'arrêter, donc je continue. De toute façon, avec tout ce que j'avais traversé, c'était rien pour moi. C'était juste des aléas climatiques, ça allait pas m'arrêter. Sauf que dans l'équipe, il y a des gars qui me disent c'est pas très très prudent de continuer, mais j'insiste. Et je me souviens, on s'arrête, on fait un petit ravito, et je suis trempé de partout, il n'y a plus rien qui est sec. Et je les entends dire on repart pas, c'est vraiment pas prudent. Et je les écoute pas. Et je repars. Bien obligé de me suivre, malheureusement pour eux. Et finalement, en fait, on arrivera à un point où y a la sécurité de la course qui nous arrête et qui nous dit c'est fini. Ça a été quelque chose d'effroyable pour moi. Ça pouvait pas s'arrêter. C'était pas possible que ça s'arrête là. Et pourtant, il fallait respecter la course, respecter aussi les secouristes, leur métier. C'est à eux de veiller sur nous et il faut les écouter. Et j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai dû m'arrêter là. Me voilà dans le pick-up, il flotte à bloc, on m'a enlevé le dossard. Je suis profondément triste. Pour moi, c'est un échec parce que pour moi, il faut aller au bout des choses. On ne peut pas ne pas aller au bout des choses. Et là, je n'avais pas pu aller atteindre cette ligne d'arrivée. Et on rentre. Et au retour, je me retrouve avec tous les athlètes qui me félicitent malgré tout. Mais moi, au fond de moi, je ne suis pas satisfait et je ne suis pas content de ça. Et finalement, je croise Greg Vollet qui me dit « Mais tu sais, avec le Covid, la course, elle est ouverte encore pendant un mois. Tu peux revenir courir. » Et tu pourras peut-être terminer cette course. Ça m'a trotté longtemps. En rentrant chez moi, j'ai posé la question à ma femme et à ma fille. Puis elles voyaient bien que dans mes yeux, c'était pas possible, je pouvais pas rester sur cet échec. Elles m'ont dit, fonce, vas-y, réinscris-toi et finis là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis réinscrit. Et vers fin août, je crois que c'était le 26 août, j'ai recouru Cierzinal. Et j'ai terminé Cierzinal. Et j'ai été accueilli de la plus belle manière par le directeur de course et par le fondateur de la course qui était présent et qui tenait à être présent. Et là, je me suis dit, ok, je suis dans la bonne communauté, je suis dans le bon endroit. C'est là où il fallait que je sois parce que c'était un défi hors norme pour moi, mais aussi pour beaucoup d'amputés. Je me suis dit, ça va briser les lignes et d'autres vont pouvoir y croire, il peut le faire, je peux le faire.
cette arrivée, pour moi, elle est vraiment, vraiment symbolique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager mon expérience. J'ai vraiment à cœur de pouvoir inspirer des personnes pour qu'elles puissent avoir cet espoir. Pas pour briller, pas pour être le meilleur, mais vraiment pour dire, mais c'est possible, venez, venez jouer avec moi. Et finalement, en fait, bah, quand j'ai créé l'association Level Up, c'était ça, c'était pouvoir aider, accompagner et soutenir les personnes à pouvoir retrouver, une dynamique de vie, une vie sportive, et de sensibiliser aussi. Il y a beaucoup besoin de sensibiliser, il y a beaucoup besoin de faire de l'inclusion. J'essaye de partager mon expérience pour que ça libère et pour que ça puisse faire venir un maximum de monde et que la différence soit une force, que ce soit pas un handicap, que ce soit que ça devienne juste une force en fait, que cette différence ne soit pas plus que il lui manque un pied, mais finalement c'est pas une histoire, il est là avec nous, il court avec nous et c'est ça le plus important. Ce que je retiens de toute cette histoire, c'est que la vie peut être injuste. On peut avoir un accident et puis ça peut être tragique et ça peut être dur à vivre. Mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et il faut faire confiance à la vie en fait. Il faut faire confiance dans le fait que demain sera beau. Ok, on peut être malmené, ballotté, avoir des choses qui peuvent paraître injustes. Mais toutes ces choses qu'on doit surmonter nous façonnent et nous construisent. Et c'est en traversant ces moments-là qu'on grandit aussi et qu'on en apprend un peu plus sur soi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le sentiment que je me connais mieux et que je me suis enrichi. Et ça a donné du sens, en fait. Ça a donné du sens dans ma vie. Ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante le-récit@dltdc.fr. À bientôt.